C'est l'enfant de Ndongo. L'enfant de Ndongo comment? Oui. Ndongo m'a pris, j'étais enceinte. Mais quand tu m'as abandonné, j'ai fait la rencontre de Ndongo. Il ne connaît même pas que l'enfant là. Il sait que c'est son enfant. Donc ne m'amène pas ça. Non, tu ne viens pas détruire mon petit foyer que je n'arrive même pas à reconstituer. Ne viens pas la détruire. Maman, je n'ai pas d'enfant, j'ai beaucoup d'argent. Qui veut manger ça? Va prendre ton argent, tu construis l'enfant avec. Tu as compris? Prends ton enfant. Vous avez dit que vous allez bobo, non? Je voulais venir. Vous allez boboliser votre argent, vous donner l'enfant. Je voulais venir en paix, mais là tu m'amènes à la violence. Pardon? Je voulais venir en paix. Tu es en train de m'amener à la violence. Bussian, fais la violence. Tu vas me prouver que l'enfant c'est ton enfant. Tu fais plusieurs preuves avec. Et il y a le test d'ADN. Va faire. L'autre jour j'étais avec elle. Je vais la retrouver, c'est dur. Je vais rôder dans ce quartier. Voilà le chantier que j'ai lancé depuis, je suis venu finir. Qui va vivre dans cette grande maison? Mais ça, je t'en supplie. Voilà la voiture, qui va rouler? Ne viens pas détruire ma petite vie que j'ai essayé de stabiliser. Je t'en supplie. Bon, on va couper. Non, on ne coupe pas. Écoute-moi d'abord. Tu as gâché mon adolescence. Je dis, tu as gâché mon adolescence. Et ça vient me rattraper aujourd'hui dans ma vieillesse. Bon, regarde. Ne viens pas aussi gâcher ma... Ça va. Écoutons, coupons court. Je te donne 5 millions, tu me donnes l'enfant. Jamais de la vie. Déjà, merci d'avoir honoré à mon invitation. Merci même pour le coup de fil. Merci de m'avoir appelé. Merci pour tout. Je tiens d'abord à te demander pardon. Une faute avouée et à moitié pardonnée. Je tiens à te demander pardon pour toutes les peines que je t'ai faites, pour toutes les difficultés. Et merci également d'avoir maintenu la confiance jusqu'ici. L'autre jour ici, j'ai vu ma fille, mais... Ouais, Boussian, chute pas, donc. Voilà. Chute. J'ai vu l'enfant passer ici, avec les longs pieds comme pour nous autres, net les longs pieds de ma grand-mère. J'ai dit, wow, Seigneur Jésus, je n'ai pas d'enfant. Mon mariage que j'ai fait en Europe, ça n'a pas marché, maman. Donc voilà mon sang. Pardon, maman. Pensons à l'avenir. Laissons le passé derrière nous. Tu parles de quel avenir? Tu parles de quel avenir, puissant? Donc, comme tu n'as pas pu ruiner ma vie, tu m'as enceinté, tu as fui, tu reviens beaucoup d'années plus tard. Dis que tu as vu l'enfant. C'est ton enfant. Pensons à l'avenir. Je venais seulement te dire que, pardon, plus jamais. Quand tu vois mon enfant en route, ton frère est là-bas, il a le visage rond comme toi-même. Il a arrêté ma fille dernièrement, l'attacher avec la corde de la chèvre. Il n'a pas tenu compte que ta famille et moi, nous étions proches à un moment donné de notre vie. Tu atterris maintenant pour dire qu'on pense à la vie. Il ne te connaît pas. Il ne connaît même pas l'enfant. C'est l'enfant ici tout à l'heure, quand je l'ai interpellé, le jour où il est interpellé, elle a confondu, mais elle m'a appelé. Que Dieu, non, c'est moi, je suis pas en tant que. Ouais, Boussian, ce que tu es en train de subir là, c'est le karma que tu subis. Parce que quand tu m'as abandonné avec cet enfant, tu croyais que tu as tout fait. Tu as encore accouché. Pourquoi depuis ton crayon n'écrit plus? Donc, tu as vu, tu m'avais donné l'argent d'aller avorter. Considère que cet enfant est dans les toilettes. Maman, j'étais étudiant. Tu étais étudiant, hein? Je t'allais ruiner ma vie. Ok, tu as fini d'étudier maintenant. Mon oncle m'avait promis l'Europe. Bon, je suis revenu, j'ai beaucoup d'argent. Bon, le type là connaît que c'est mon enfant. Il sait que c'est son. Pardon? Il connaît que c'est mon enfant. Connaît que c'est ton enfant comment? C'est l'enfant de Ndongo. C'est l'enfant de Ndongo. C'est l'enfant de Ndongo comment? Oui! Ndongo m'a pris, j'étais enceinte. Mais quand tu m'as abandonné, j'ai fait la rencontre de Ndongo. Il ne connaît même pas que l'enfant là. Il sait que c'est son enfant. Donc ne m'amène pas ça. Non, ne viens pas détruire mon petit foyer que je n'arrive même pas à reconstituer. Ne viens pas la détruire. Maman, je n'ai pas d'enfant, j'ai beaucoup d'argent. Qui veut manger ça? Va prendre ton argent, tu construis l'enfant avec. Tu as compris? Prends ton enfant.
Vous avez dit que vous allez bobo, non? Je voulais venir. Vous allez boboliser votre argent, vous donner l'enfant. Je voulais venir en paix, mais là, tu m'amènes à la violence. Pardon? Je voulais venir en paix. Tu es en train de m'amener à la violence. Bussian, fais la violence. Tu vas me prouver que l'enfant, c'est ton enfant. Tu veux que je sois prévu avec. Et il y a le test d'ADN. Va faire. L'autre jour, j'étais avec elle. Je vais la retrouver, si c'est dur. Je vais rôder dans ce quartier. Voilà le chantier que j'ai lancé depuis, je suis venu finir. Qui va vivre dans cette grande maison? Mais ça, je t'en supplie. Voilà la voiture, qui va rouler? Ne viens pas détruire ma petite vie que j'ai essayé de stabiliser. Je t'en supplie. Bon, on va couper. Non, on ne coupe pas. Écoute-moi d'abord. Tu as gâché mon adolescence. Je dis, tu as gâché mon adolescence. Et ça vient me rattraper aujourd'hui dans ma vieillesse. Bon, regarde. Ne viens pas aussi gâcher ma... Ça va. Écoutons, coupons court. Je te donne 5 millions, tu me donnes l'enfant. Jamais de la vie. 6. J'ai dit même 1 milliard. Je ne prends pas. D'accord. Oui. Rendez-vous au tribunal. Parce qu'aujourd'hui, je m'appelle grand-mère. Rendez-vous au tribunal. Je prends déjà le petit titre de madame. Tu veux venir me prendre encore quoi? Tout ce que tu dis est long. Rendez-vous au tribunal. J'attends. Ok. Il faut avoir des avocats solides. Hein. Mais il y aura même les mangues. Regarde-moi quelqu'un. C'est avocat solide. J'ai vu l'enfant ici. Il me ressemble. Il chèvre. Tu croyais que quoi? L'enfant là a les pieds de ma grand-mère. Mais ça, tu vas dire que Dieu va te punir, non? Accouche alors, je vois. L'enfant là a les pieds de ma grand-mère. Accouche alors, je vois. L'enfant là a les pieds de ma grand-mère. Il aura les pieds de tes aïeux. Ok. Chibagnac. Rendez-vous au tribunal. J'espère que tu as les côtes pour courir. Même de toutes les façons, je vais récupérer cet enfant. Merde. On dit, on voit l'enfant. L'enfant a les pieds de, les longs pieds de ma grand-mère. Voilà mon sang. Tu dis que tu as ruiné mon adolescence. Tu as fait l'adolescence. Tu veux que je sacrifie mon avenir avec une grossesse que mon oncle m'a promis l'Europe. Ma chance. On verra. Latifa! Maman! Tu veux qu'on couche là-bas? Tu n'as pas la place de cette fille? Hein? J'ai mal au corps, maman. Tu as mal au corps? Tu fais ce mal au bois? C'est Vanessa et Honorine qui sont venus me tapisser à la maison. Vanessa et Honorine sont les qui? Les filles là que tu avais dit qu'elles ne passent plus jamais ici. Que tu as fait quoi? J'ai rien fait. Elles sont vraiment venues me tapisser. Tu ne fais jamais rien! Tu ne fais jamais rien. Il y a eu un problème dans la maison où tu as fait quelque chose. Tu ne fais jamais rien. J'ai vraiment rien fait de tout si. Tu n'as rien fait. Ok. Je voulais te dire quelque chose. Ton père est sorti. Oui, il est sorti là-bas. Tu as vu ce qu'il te disait l'autre jour ici concernant le tonton Brissian que tu es venu ici avec. Tu sais pourquoi le soi-disant tonton Brissian dont tu me parlais l'autre jour là me cherchait. Hein? Tu es morte. Je dis que... On t'a vendu jusqu'à manger l'argent. Qui m'a tué, maman? Qui t'a tué? Est-ce que tu sais que Boussian, là, que tu vois là, c'est un grand bandit, un sorcier de première catégorie? Tu sais pourquoi il me cherchait? Il est entré dans une secte, maman. On lui a demandé quelqu'un, il a dit qu'il faut que lui et moi on s'associe pour te donner. Moi? Pour être des multimilliardaires. Hey! Maman, il me connaît. Il te connaît. Donc tu crois que pour tuer quelqu'un ou pour donner quelqu'un dans la société, il faut seulement qu'on doit connaître la personne. Si tu es sage, maman, tu le fuis. Quand tu le vois maintenant, fuis sans regarder le derrière. Tu as compris? Boussian est entré dans une loge. Comme il n'a pas fait d'enfant, non? Apparemment, il n'a pas fait d'enfant. Et comme il sait que j'avais l'argent avant, j'ai fait faillite. Il sait que actuellement, je suis à la tête d'argent. Il propose que comme tu es ma seule fille unique, on te vend. Et tu sais que les enfants uniques, quand on vend, ça coûte tellement cher. C'est les milliards. Ça veut dire que lui et moi, on ne sera plus jamais pauvre. Moi, je vends mon enfant. Je te vends toi. Je te préfère, maman. Même comme tu es têtu comme quoi là. Même comme tu as décidé que tu vas me donner l'AVC. Je préfère que tu me donnes l'AVC que de te vendre. Maman, si je l'ai tué avant. Non. Tu sais que le genre d'idée là, il ne veut pas que tu mettes le genre d'idée dans ta tête, non. On ne tue pas quelqu'un. Laisse. Je lui ai dit que plus jamais. Que le jour il te voit, quand il s'arrête seulement. C'est le cercle qui va nous séparer. C'est pour ça que tu es maman de là. Je lui ai dit ça. Et je voulais te dire que, maman, si tu vois encore le type là un jour, ou lui, je ou sa famille, tu fuis en criant même que au bandit. Je viens de dire. S'il te dit quelque chose un jour, parce que je sais que comme j'ai dit non là, il va te monter contre moi. Je viens de dire. Avant de me dire, tu le laves comme ça d'abord. J'ai confiance en toi, non? Maman, je te préfère comme tu es. Même comme tu es folle là, tu es ma folle. Tu comprends? Tu es ma seule fille. Si je suis plus là aujourd'hui, tu vas hériter de tout ça.
Demande pas un autre enfant. Ah, tu l'héritier, non. Il y a même d'autres maisons que j'ai construites ailleurs qui n'étaient pas encore montrées. Même encore ta banque. Je vais aller mettre ça à ton nom. Tout l'argent là sera pour toi. Le petit argent que j'ai gardé, que Ndongo ne connaît pas là. Tout ça, je mets à ton compte. Tu as compris? Non, maman, tu as d'abord me donner 5 000, mesdames. J'ai besoin de 5 000. Ok. Je peux donner même 10 000. Tu vas aller chercher tes sous-vêtements que tu m'as dit l'autre jour. Maman, tu as compris? Je te dis que ne t'arrête plus jamais. Lorsque tu laves les assiettes. Merde. Quelqu'un soit venu, pas, il veut me dire de vendre mon enfant. Que lui et moi, on s'entend pour vendre mon enfant. 9 mois de grossesse. Je vends ça comme ça pour être riche. Jamais. Il n'a pas de secret dans ma famille. Je lui ai dit qu'il va partir lui-même. Lave les assiettes là. Tu as compris? Oh, mon pays. Je suppose que vous me confondez à mon frère jumeau là, Kanta. C'est pas toi qui disais que ma fille a volé la chèvre l'autre jour là. Non, c'est compliqué. Hein. Je dois me justifier tout le temps pour cette affaire des jumeaux. C'est mon frère jumeau. Oh, oh! Kanta. Yeah! Oui, quand je suis arrivé ici au quartier, quand j'ai acheté le terrain... Là où il y a les plantaniers là, non? Oui, quand j'ai acheté le terrain... Je lui ai donc demandé de venir prendre l'eau là-bas quand le voisin d'à côté vendait là. C'est où je l'ai installé. Comme on dit souvent que dès que le frère voit il l'autre. Voilà, exactement. Je vois. Sinon, c'est comment mon père? Ah, voisin, en fait, on a assez fait du tout à la diaspora. Nous sommes venus. J'ai mon chantier là, l'immeuble là que vous voyez là. Dis-moi vu comment ça pousse que comme le champignon. Oui. J'ai dit que l'argent ici. Si la personne au Cameroun, c'est que c'est un détourneur de fonds. Parce que ça grandit, whoop. On travaille là-bas nuit et jour. C'est des efforts, beaucoup de sacrifices qui sont venus terminer là. Si je savais que c'est toi, mon type. J'ai posé ma demande là-bas pour préparer la nourriture des gars gentils. Ils m'ont dit qu'ils ont donné ça à une femme. J'ai dit, est-ce qu'une femme peut préparer comme un homme? J'avais pas su, je vous aurais donné le marché. Oh. Bon, tout compte fait. Voisin, vous êtes dans le forum des voisins, des habitants du quartier. Oh, tu fais encore quoi? Je n'ai même pas WhatsApp. Mon téléphone est tombé dans la sauce jaune ici. Ça fait un mois, mon petit. Malheureusement. Bon, vous savez, dans les relations de bonne voisinage, nous devons partager l'information. Voilà. En ce moment, dans le forum du quartier, il y a le phénomène de test d'ADN. Oui, comme ce que Yvonne a fait à M. Joseph. Voilà. Donc, apparemment, il y a beaucoup d'enfants de ce quartier dont le père n'est pas le géniteur. Hein? Oui. Il y a beaucoup d'enfants dans ce quartier dont le père n'est pas le géniteur. Donc, pour lever le soupçon, c'est mieux que toi-même tu fasses ton test d'aller à la maison. Si tu étais dans le forum, toi-même tu allais voir. Ça chauffe dans le forum, hein? Bon, l'affaire que tu dis ABC là, c'est que tu dis qu'on fait là, non? Oui. On a dit seulement que tout le quartier fait ou bien que c'est toi qui me dis d'aller faire. Non, c'est que tu vois le monsieur d'en haut là qui travaille oui. Le truc des téléphones là. Oui. Lui, chez lui déjà, il a deux enfants qui ne lui appartiennent pas. Voilà. Et regarde. Et celui-ci qui a général énergie là. D'en bas là. Celui qui est chauffeur général énergie là. Oui. Il y a trois qui ne sont pas des. On a loup. Ses enfants. Pona. En haut là, le premier, celui qui avait mis le lampadaire à l'entrée là. Bon, j'ai dit ceci. Tu parles de celui qui a épousé la petite soeur de l'empereur. Oui. Donc, il a pour lui encore grave. Parce qu'il est albinos. Et il est noir et on lui a donné un albinos. On lui avait dit que c'était un albinos. Mais au départ, on mettait que ça que sur moi. Voilà. Donc. On ne sait jamais. Au début, on mettait ça que tu moi. Tu sais que je suis rouge. C'est le climat qui garde l'eau. Voisin. On disait que c'est moi. Vas-y donc. On ne sait jamais. Et si tu es bloqué pour les finances, viens me voir. Non. Ce chantier. Papa, j'ai même envie de faire. Tu me donnes l'envie de faire. Tu veux donner l'argent, je veux faire ça. Là. Donc, sérieux. Ce qu'on fait, je vais au chantier là et compter les travaux. Donne-moi ton numéro. Tu vas m'appeler, ça va sonner que dans les petits téléphones, les gros, si jamais. Oui, c'est pas un problème. Donne-moi le numéro, je vais prendre. 693. 693. 15. 62. 62. 55. 55. Mm-hmm. D'accord, c'est bon. Les trucs de ABC là,
Ça, c'est un truc que l'État camerounais va faire, qu'on va construire même tout un pays pour les femmes bordelaires. Parce que la majorité des couples vivent ça. Laisse. Vas-y, je cours au chantier. Tu as compris? Merci pour l'info, papa. J'arrive. Merci, oui. Merci, mon père. Je viens. Ok. D'accord, d'accord. C'est... D'accord. Quand lui-même, il s'assoit pour parler déjà comme ça, c'est qu'il a frappé même sa part, même 3 ou 4. Il ne peut pas s'arrêter, il me dit ça pour rien. Il veut qu'on devienne les complices. Il doit fouiller bien sa part dedans 3 ou 4. Les gens de la diaspora, n'est-ce pas là-bas, il est chauffeur camion. C'est un bordel. J'ai fait comme si je ne le connaissais pas, alors que je le connais du début jusqu'à la fin. On connaît tes échos ici. Même les vendeuses de canne à sucre, tu es enceinte. Oui. Va faire le test de ADN. Tu as fait ta part. Tu fais ton ADN, ça va sortir que le sida. On vous connaît, les gens de la diaspora, les bordels. Une maison que... L'entrée de la maison est comme l'entrée de la mosquée. Les babous sont alignés partout, partout. La tif apporte une babouche, elle laissait prendre l'autre. Elle porte, elle laissait prendre l'autre. Elle ne peut pas bouger. C'est la veste de son père. On ne peut pas laisser comme ça qu'il a laissé la rentrée dedans. C'est même percé. Eh, c'est un homme. Oui. Il me met ici. C'est mon téléphone. Tu vas être blague comme ça alors que l'heure de la réunion, c'est bientôt. Allô? Allô? Bonjour maman, c'est comment? Ouais ma soeur, s'il te plaît, je ne serai pas à la réunion aujourd'hui. Tu es en train de partir? Je te fais le dépôt de ma tontine, pardon. Arrive, tu me cotises le grand cahier, c'est moi qui bénéficie aujourd'hui. Ok, j'ai reçu le dépôt. Tu bénéficies, tu arrêtes, je vais venir chercher. Non, je suis un peu occupée, je serai pas à la réunion. Quand on va commencer à lire les actes de présence, dis-leur que je suis un peu souffrante. Tu bénéficies de mon grand cahier. Le grand cahier. Tu connais le montant, non? Ça sort 100 000. Ok. Et ça se passe parce que comment tu vas venir chercher où je viens chez toi te laisser ça? Il dit que c'est moi-même qui viens chercher. Même s'il y a mort d'homme, c'est moi qui viens chercher. Si d'autres personnes arrivent là-bas, ne donne pas. Ok, pas de souci, j'ai compris. Ok, maman, j'ai compris, merci. Vous siégez bien haut, ma. Ok, j'ai compris. Ok, ma, vous siégez bien haut. Viens, ma fille. Non, maman dit que je m'approche plus de toi, que tu es un sorcier, tu me vengues dans la sorcellerie. Mon sang est amer. Il y a la levure à dedans avec le baume solo. Tu ne peux même pas me vengues dans la sorcellerie. Sans temps comme ça, tu ne peux même pas me vengues. Ma fille, écoute, attends. Non, maman dit que je ne te parle plus. Que moi, je veux te vendre. Oui. C'est ce que ta mère a dit. Oui, que tu me vengues dans la sorcellerie. Ma mère ne manque pas. Maman Kafou ne manque pas. On connaît ici au quartier. Tu me vengues dans la sorcellerie. Non, tu me prenais ici pour venir me vendre dans la sorcellerie. Tu dis à ma mère qu'elle va être milliardaire. Tu manques. Ça, c'est moi-même qui vais venir te tuer dans la sorcellerie avec les rêves. Yeah. Je ne viens pas. Je ne viens pas. Et si ma mère comprend que tu m'as parlé, elle est que tu me parles encore. Elle va seulement te mettre en prison. Je veux pas te dire à ma mère que tu m'as encore abordé en route. Je ne viens pas. C'est à ce jeu que tu veux jouer, Caprice. Ça va te dépasser. Tu veux manipuler mon propre enfant contre moi. On verra.